Même s'ils n'ont rien à faire dans notre ville, ils ont au moins le mérite de ne pas être à la fois juge, juré et bourreau. Nous avons le meilleur système judiciaire au monde. Si ce nouveau héros... Peter, ravi de vous accueillir. On collabore avec vos amis du Fist pour nourrir la communauté, en commençant par des jardins mieux pensés. Vous pourriez récupérer des échantillons de plantes aux alentours et vous servir de notre éditeur génomique. Rien de compliqué. Prélever des échantillons, assembler des gènes, nourrir les gens. Je crois que je peux faire mieux que ça. Cherchons les meilleurs échantillons. Forcément une plante en bonne santé, quelque part par là. Celle-ci est techniquement une herbe, mais sa résistance peut être utile. On va scanner ces plantes. Celles-ci ont beaucoup moins besoin d'eau. C'est une bonne chose. Celle-ci est très productive. Beaucoup de fruits. C'est parfait. Ok, j'ai de bons échantillons. Il est temps de les mélanger. C'est génial que le MF ait mis ses OGM en open source. On ne devrait pas chercher à gagner de l'argent sur les produits de première nécessité. Voyons voir. J'ai hâte de l'avoir poussé. Ça fonctionne. Ces plantes pousseront beaucoup plus vite et donneront plus de fruits. Oh, j'imagine ce que le Fist pourrait faire avec ça.
Très bien. Je leur ai bricolé de nouveaux plants hybrides. Il n'y a plus qu'à préparer cet endroit pour planter les graines. On va optimiser le circuit d'eau. Oups, il faut que je répare ça. Quelques toiles devraient faire l'affaire. On dirait que plusieurs fuites réduisent la pression de l'eau. Si je les bouge pas toutes, le système fonctionnera pas. Je dois m'occuper de ces caisses pour accéder à cette fuite. Plus que quelques fuites à boucher. Ce serait contre-productif si je noyais toutes les plantes, non? Mais avait la main verte avec ces plantes, tomates. Et moi, j'ai peut-être la toile verte? Normalement, ça devrait le faire. Le docteur Foster sera content. Mais il n'a pas besoin de savoir que Spider-Man m'a aidé. Ah, je me demande sur quels autres projets travaille l'UN.